Good morgen, allez, Ida n'est sur aujourd'hui le Nishmat Dov ben Yudit et Vadram et Vatar Amar ben Chet Valor Lea Bat Bela Chay Esther Bat Miriam Yitzhak Perez Ben Zorbuna et Chay Michal Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Shabbat Perikhet Vav, Mishnah Gimel. Mais qu'appelez d'être à Kélim, à Filo Arba et Chamisha Pehamim, ou Matsin et Amitot, Milei le Shabbat le Shabbat, aval lo, mi Shabbat le Motsai Shabbat, Rabbi Shmel Omer, mais qu'appelez d'être à Kélim. ומצין את המיטות מיום הכיפורים לשבת, וכן בשבת קריבין ביום הכיפורים, אבל לא של יום הכיפורים בשבת. רבי עקיבא אומר, לא של שבת קריבין ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קריבין בשבת. Et on commence directement à traduire la Mishnah. מקפלין את הכלים, on a le droit de plier les vêtements, אפילו ארבע וחמישה פעמים, même 4 et 5 fois si nécessaire. ומצין את המיטות, et on a même le droit de faire les lits, מילייל שבת לשבת, du soir de Shabbat, du Shabbat soir, pour le lendemain, avalomi Shabbat le motza et Shabbat, mais pas depuis Shabbat pour la sortie du Shabbat. Donc, vous avez compris, on parle de deux situations, soit plier des vêtements, ou soit même faire les lits. C'est plus ou moins le même principe, on va expliquer le rapport. Tout d'abord, l'enchaînement des Mishnayot. Si déjà on a un Tosot Yom Tov qui se soucie d'expliquer un petit peu le rapport, mais étant donné qu'on a parlé, on était en train de parler de la melacha de kosher, matière de plier des vêtements. On avait évoqué les vêtements de la femme qui faisait les nœuds sur ses rubans et sur ses lanières. Et du coup, on continue avec une autre précision en rapport avec les lois des vêtements. C'est l'unique rapport qu'il a trouvé avec l'enchaînement des Mishnah. Je vous ai dit, c'est un peu chaotique, ça va un peu dans tous les sens. Et donc, la Mishnah m'enseigne deux choses. Tout d'abord, plier un vêtement pendant Shabbat. Et il faut savoir qu'il y a une certaine xéra de rabbanan de plier dans certaines situations. De plier un vêtement pendant Shabbat. Parce que si on prend un vêtement très froissé et qu'on va le plier bien pour le rendre plus lisse, il y a une xéra de rabbanan de le faire parce que deux éventualités, nous devons rapporter dans le Sof Yom Tov ici, soit parce que ça ressemble à Metakenwana, comme si tu répares le vêtement, tu l'arranges, il était plus métable, il était trop moche, et tu veux maintenant qu'il redevienne métable, donc tu améliores le vêtement, ou soit c'est en rapport avec l'interdit de laver le linge. D'accord? Ça ressemble à faire un tikkun beged, à faire en sorte qu'un vêtement qui n'était pas tellement métable, il redevient métable. Tu commences comme ça, demain tu es venu à laver le vêtement. Ils ont fait un décret, on ne lave pas, on ne plie pas les vêtements. Sauf une exception, qui est en réalité, c'est le Barthénois. Il y a mon Barthénois qui nous explique que la Mishnah, quand elle te permet de plier un vêtement, il faut remplir quatre conditions. D'abord que tu le plies tout seul, que ce soit un vêtement blanc, un vêtement nouveau et que tu n'aies pas le choix. Tu n'en aies pas d'autre. En deux mots, plier, je sais pas moi, un nouveau tricot, une nouvelle chemise, plus ou moins, qui est déjà, c'est-à-dire, les quatre conditions en fait, c'est comme ça. Le principe est simple. Je t'ai permis de plier lorsque le vêtement il s'est pas tellement froissé. Et ça implique, selon l'époque, je ne sais pas comment c'est adapté aujourd'hui à notre époque, mais selon l'époque. À l'époque, les vêtements de couleur étaient beaucoup plus fraîches. D'accord? Avec les produits qu'on mettait dessus, ils étaient plus fraîches. Attendez que je ne dise pas le contraire de ce qu'il faut. Il y avait ici. Belevanim avaltenim, la chazwin, kipulan metaknan meyoter. Je ne sais pas exactement si c'est la raison. Concrètement, les vêtements de couleur, par exemple, lorsqu'on les pliait, ils devenaient beaucoup plus beaux. C'est-à-dire, entre un vêtement pas plié qui était beaucoup plus froissé, et qu'une fois qu'on le pliait, il redevenait bien lisse. Donc là, on a interdit, mais les vêtements blancs, non. D'accord? Et idem, si c'est nouveau, si c'est plus ancien. Et aussi que tu le plies tout seul, vous n'êtes pas à deux en train de le plier, parce qu'à deux, vous allez faire du bon travail de bien le lisser. Même le vêtement qui va être blanc et neuf, il va tout bien se lisser. Et dernière précision, c'est que ce soit que tu n'aies pas le choix de réutiliser ce vêtement pour demain. Mais si tu as le choix, tu n'auras plus le droit de le plier. D'accord? De là provient, c'est aussi qu'il le mentionne déjà dans la Gemara, l'interdit éventuel de plier le talit à Shabbat. Surtout si on le plie du Shabbat pour Chol. Peut-être que je suis un peu parti trop vite un peu. Une fois que le Barthénois nous a dit qu'est-ce que j'ai le droit de plier, sur ça vient la Mishnah me dit mais attention, je te permets de plier uniquement lorsque tu plies du Shabbat pour ce Shabbat-là. Mais pas pour la sortie de Shabbat, et ni même entre parenthèses, ni même pour un autre Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, tu enlèves un vêtement, tu vas le remettre dans l'après-midi, tu veux pas qu'il se froisse pendant ce temps, tu auras le droit de le plier. Mais tu enlèves le vêtement dans l'après-midi, et tu ne veux plus qu'il se froisse pour le remettre le soir, il s'avère que tu es en train de plier depuis le Shabbat. Pour la sortie Shabbat, là tu fais un interdit de Mechin. Tu prépares du Shabbat pour un jour
profane. Et c'est là en fait l'essentiel de notre Mishnah, l'interdit de Mechin. Dans les 5 minutes, on en a déjà parlé quelques fois, il y avait quelques années où il y avait eu plusieurs configurations avec des problèmes de Mechin, de Rosh Hashanah et de Shabbat qui tombent ensuite, et puis après les Yom Tov, il y a interdit de Mechin quand on parlait du Hérouv. Et concrètement, ça se passe comme ça. Il y a des jours saints, des jours moyennement saints, des jours moins saints. Eh bien, tu ne pourras jamais préparer d'un jour saint à un jour moins saint, même si la moitié est saint. Par exemple, en deux mots, tu n'as pas le droit de Shabbat pour un jour profane, bien Shabbat même, c'est un Shabbat à un Yom Tov. Tu n'as pas le droit de préparer depuis le Shabbat pour le Yom Tov. Et ça implique de ce fait, même ces types de travaux qui sont comme tout simplement plier des vêtements, ou faire le lit, faire en sorte que tu aies un lit bien agréable, pour rentrer dedans, un lit bien frais, eh bien tu n'auras pas le droit de le faire pendant Shabbat, pour l'utiliser pendant Yom Tov, à Motsé Shabbat. Après, il y a entre parenthèses quelques petites permissions qui sont données, si c'est pour avoir une chambre propre, on est d'accord, mais en tout cas comme à l'époque, leur souci essentiellement c'était d'avoir un lit agréable, et bien dans ce cas-là c'est une vraie préparation du Shabbat pour le jour de profane, c'est assuré. Et on continue la Mishnah maintenant. Pour le moment on a parlé donc de Shabbat pour un jour profane. La Mishnah veut nous parler du Shabbat pour un jour kadosh, et la question est de savoir est-ce que c'est un peu moins kadosh ou c'est le même niveau. Et qui sont en fait Shabbat et Yom Kippour. J'ai mal présenté, plutôt. Vous allez voir tout de suite. Rabbi Shmuel Romer. Rabbi Shmuel Romer, il enseigne. Attention. Si toutefois il y a eu un Yom Kippour qui tombe un vendredi, ça n'existe plus à notre époque parce que j'ai vu, on a organisé le calendrier qu'on ne soit jamais confronté à une situation pareille, on a un Yom Kippour qui ne tombe jamais, ni le vendredi, ni le dimanche. On n'a jamais eu deux jours avec un Shabbat avant ou après Kippour. Mais à l'époque, lorsqu'on se fondait sur les témoignages des témoins qui avaient vu la nouvelle lune à Rosh Hashanah, eh bien, ça pouvait arriver que Yom Kippour tombait un vendredi. Si Yom Kippour est tombé un vendredi, on a bien dormi la nuit de Yom Kippour. Il faut refaire les lits pour le Shabbat. Rabbi Shmuel me dit, mais tu sais quoi, tu as le droit de plier les vêtements depuis Yom Kippour pour Shabbat, qui va suivre. Tu as le droit de plier, de faire ton lit depuis Yom Kippour pour Shabbat qui va suivre. Et idem encore, vechelve Shabbat. J'ai traduit, je ne sais plus où j'en suis. Rabbi Shmuel a dit, mais kaplim atakelin, on a le droit de plier les vêtements. Ou matzin atamitot, on a le droit de faire les lits. Miyom akipurim les Shabbat. Depuis le Yom Kippour pour le Shabbat, qui suit juste après, il n'y a pas d'interruption. Ver eidem aussi, vechelve Shabbat krevin beyom akipurim. Et les graisses du Shabbat sont montées sur le misbéach à Yom Kippour. C'est-à-dire maintenant, on a parlé de Yom Kippour qui précède Shabbat, maintenant on va parler de Yom Kippour qui va suivre Shabbat. Et que, il me dit comme ça, quand il y avait des korbanot au Beth Amikdash, alors dans la journée, ce qui était urgent à faire, lorsqu'on faisait un korban, c'était de faire Shrita, Kabbalah, Ola, Chazrika, pour ceux qui ont fait Kachem avec nous, ils connaissent ça par cœur, on égorge le korban, on a une réception de sang, on l'asperge, et voilà. C'est l'aspersion du sang. Après, quand montait-on les membres sur le Mizbeach, on n'était pas pressé de le faire tout de suite. On pouvait reporter ça à la nuit qui suit. Si la nuit qui suit, c'est un Shabbat, et bien on ne pouvait pas le monter pendant Shabbat. C'est-à-dire, si on a fait un Korban Ola pendant le vendredi après-midi, on ne pourra pas le faire monter la Ola pendant Shabbat. Les restes de viande pendant Shabbat, on ne pourra pas le faire brûler pendant Shabbat. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que les Korbanot de Yom Kippour, alors, les Korbanot, ça c'est la phrase qu'il ne faut pas lire, ou soit oui, son nom entre parenthèses, je ne sais pas quelle version vous avez devant vous, il y a marqué, Avalo Shalom Kippourim et Shabbat. On ne pourra pas faire monter les graisses de Yom Kippour à Shabbat. C'est-à-dire, si tu avais les korbanot de Yom Kippour pendant le vendredi, et après tu restes toutes les graisses à brûler, tu ne les feras pas brûler pendant Shabbat, parce qu'on ne peut pas Shabbat, profaner le Shabbat, pour une gdoucha moins. Et Yom Kippour, c'est une gdoucha moins. Par contre, tu pourras faire les graisses du Shabbat, donc les korbanot de Shabbat, les deux Ola, les deux Kvasim, qui c'est les Kvasim de Shabbat, Yom Shabbat, c'est les Kvasim ben Shanat Mimim. Les graisses, tu pourras les faire brûler par contre le soir pendant Yom Kippour. Voilà ce que la Mishnah me dit. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a une doucha supérieure à Yom Kippour. Donc, de Yom Kippour pourra préparer à Shabbat et il pourra aussi encaisser que pendant Yom Kippour, on va brûler les graisses qu'on a fait pendant Shabbat. C'est l'avis de Rabbi Shmuel. Tandis que Rabbi Akiva nous dit non. Ils ont chacun leur rigueur indépendante. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Lo shel Shabbat krevim be Yom Kippourim. Ni les graisses du Shabbat sont offertes à Yom Kippour, velo shel Yom Kippourim krevin be Shabbat. Et ni les graisses de Yom Kippour sont offertes, sont montées sur le misbéach pendant Shabbat, pour, d'accord, ni pour Shabbat à Kippour, ni de Kippour à Shabbat.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol tov, salam.